Attends, je tombe. Cette nouvelle vidéo. Salut. Alors, aux petites nouvelles, nous sommes aux alentours de Saint-Brieuc, pour les intimes Saint-Brieuc. Non, Charlotte, elle aime pas quand je dis ça, je fais exprès pour l'embêter. Et en fait, si vous avez suivi un petit peu sur Insta, dans les montées, on avait des pertes de puissance avec le camion et on soupçonne le filtre à gasoil d'être colmaté. C'est vrai qu'avec l'ancien réservoir qui était rempli d'algues, j'avais enlevé le réservoir, après on en a remis un nouveau. Mais à aucun moment j'ai changé le filtre à gasoil, donc je pense que ça vient de là. Et là on a trouvé un AD sur Saint-Brieuc et on va aller chercher, ils en ont deux en stock, enfin ils en ont quatre, mais on va en prendre deux, comme ça on en aura un d'avance. On va aller chercher ça et on va monter tout ça, je sais pas quand, parce qu'il faut enlever tout ce qu'il y a dans le coffre. Et il faut enlever, vider la cabine pour qu'elle soit pas trop lourde, pour pouvoir la basculer, pour changer le filtre. À moins que j'arrive à passer mes petits bras dans le petit capot que j'ai ici, j'ai un tout petit capot, et que j'arrive à changer le filtre. Et là, ça serait top, ça me ferait gagner un temps phénoménal. C'est grave. Allez, on va voir pour le filtre à gasoil, parce qu'il est bientôt midi, et on vous dit à tout à l'heure. Voilà, ça y est, on a trouvé les filtres, et du coup, on en a pris 4, ils étaient à 5 balles. C'est ça. Là, en tout, on en a eu pour 22 euros les 4, ouais, voilà. Quand il nous a dit 11 euros les 2. Hein? Mettez-moi 4. Mettez les 4, en fait. Fou, 4. Comme ça, on a du stock et puis comme ça, c'était pas cher. Ouais, c'était vraiment pas cher. Et c'était les 4 derniers, donc on prend pas de risque. Et en plus, ça prend pas de place. Vous avez vu, ils sont tout petits. Donc vraiment, on prend pas de risque. 22 euros les 4. Il n'y a plus qu'à changer ça. Bon, c'est arrêté pour manger. Et là, il y a un bandit qui nous arrête et tout. On papote et puis on dit qu'on cherche un centre de tri pour livrer, pour déposer un colis. Et là, il nous emmène. Donc on se dépêche, il reste 10 minutes. Et allez, fais voir, chouchou. Il est juste devant avec sa petite voiture rouge là. Le bandit nous montre la route. Donc on se dépêche parce que le centre de tri, il a 2 minutes et il nous reste 10 minutes avant la fermeture. Donc on croise les doigts pour que ça puisse passer. À fond, je suis à 20. Vous êtes merveilleux les bandits, merci beaucoup. C'est vraiment génial. Extra. Il doit être content, il doit se dire ah la vache, j'ai les padrouilleurs qui me suivent et tout. Ah oui, je vois les voitures de la poste. Nickel. Impeccable. On va y arriver. Vive les bandits. Merci à vous. Youhou. Non, ça va, t'es propre, tu peux paraître sur YouTube. Voilà, on est avec Jean-Louis qui nous a amené ici. Attends, en plus, et la poste elle est fermée, il est 53. Non, il ferme à midi. 50. Non, il est 53. Ben moi j'ai. Mais même, c'est je suis dégoûté. Midi, c'est midi. Il est 11h50. Bon, bah, en tout cas, merci de nous avoir aidé. Ouais, tant pis, on va en trouver une sur la route. Hein. Bah non, c'est fichu, pas avant la semaine prochaine. Bah ouais. Ah mince. Pas avant lundi. Bon, on peut pas tout avoir, on a trouvé les filtres, bah, la poste, ça sera pour lundi. Et puis bah, Jean-Louis, enchanté d'avoir fait ta connaissance. Hein. Bah, moi aussi. Voilà, allez, bah, bonne journée. Et bah vous aussi, et bonne route. À bientôt. Bon bah là on galère parce que même dans les petites montées, toutes petites montées, on est obligé d'aller trop garder en quatrième. Là on est à 50 et ouais, c'est abusé, il là. Avance plus quoi. Il a plus de patates, il a plus de pêche, il a plus rien là. Heureusement que nous on garde la pêche. Hein, il nous reste 24 minutes. Là ouais. C'est il n'y a plus rien. Ça y est, il repart quand on est en descente. On repart dans les descentes et après c'est mort. Même sur du plat, je suis... fait forcer quoi. J'espère que ça va être ça, déconnez pas, si c'est pas ça on est mal. C'est clair, il va falloir chercher.
Mais ça va être ça. Ouais, ça va être ça. C'est le vieux. Alors, c'est qui on Alors Hola. Donc, c'est à vous de nous dire en commentaire. Voilà, ça c'est une partie de ce qu'il y a dans le coffre et j'en ai encore, mais je l'ai laissé devant, ça devrait pas gêner pour l'ouverture de la cabine. Voilà, c'est bon, regardez, la cabine est levée. J'ai laissé des trucs dedans. Hein. Le climatiseur d'ailleurs, il est là-haut. Et le filtre à gasoil, il est là-bas. Je vais aller vous faire voir de l'autre côté et on va voir. On va le démonter, le remplacer et voir s'il est sale, on va le découper. Voilà, donc ça fait une demi-heure qu'on enlève les coffres, qu'on enlève les affaires dans les coffres, tout ça. Et là, juste pour ça, quoi. À la main, tu desserres ça. Tu rends compte la manip, comment elle est simple. Truc de dingue. Il faut la même taille que sur un BR. Grave, c'est tout petit. Quand le gars m'a montré ça. Ils sont petits, donc du coup, ils doivent s'en cracher. La même taille sur le petit. Quand le gars l'a montré ça, je sais pas, ils sont tout petits. Je peux te laisser ça, André, juste... André. Je fais exprès, comme ça, vous savez pas qui c'est. Hein, c'est qui, alors? Ça me va bien. On peut le montrer vite fait ou pas? On peut le montrer vite fait? Oh! Tiens, mets ça par-dessus pour que ça se plonge un peu. Parce qu'en fait, j'ai envie de le découper, voir s'il est... À l'intérieur. Ouais. Et voilà, la manip était tout simple. Alors, toujours bien redresser ses joints. Moi, je les lèche. Non, c'est pas vrai. Je remets un petit peu de gasoil et puis... Voilà, comme ça on galère moins à resserrer. Vous voyez, c'est une manip qui est très rapide. Hein. C'est dommage qu'on puisse pas le faire, la cabine fermée. C'est très très dommage. Allez, enfants. Parce que du coup, ils ont dû vider tout leur coffre avec leurs affaires d'école. Bah, surtout nous, le gros coffre, quoi. Hé, hey, papa, je suis deg. T'aurais pu le faire d'en dessous. Non. Si. Non, il a regardé papa avant. Voilà, vous. C'est bon, c'est tout. Pour commencer, voilà. Il n'y a plus qu'à tout re-ranger. Voilà. Donc en gros une demi-heure pour ranger. Pour dévirer. Une demi-heure pour déranger. Et en manip, il y a 2 minutes, à peine. Mais je comprends pas pourquoi tu l'as pas fait, chouchou. Ben je sais pas, tu l'as fait toi. Mais moi j'y pense pas, moi je sais pas faire. Ah ouais, regardez, le filtre en fait, il est rempli de particules en suspension, si on peut dire. C'est le mot. C'est ça, André. Ah, il y en a un paquet. Tu peux te dépêcher ou pas? Alors, verdict? Oh là 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 là! Regarde. C'est sûr que c'est ça, oui. Les algues? Ouais. Le gasoil est noir, on dirait un filtre à huile. Vous l'aviez jamais changé depuis que vous l'avez? Non, 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 on n'a pas changé. Bah, on n'a pas roulé si tu veux. Ouais, bah ouais. Donc, du coup. On coupe l'autre, le neuf, pour voir s'il est propre. Regardez, particules partout. Bah, le gasoil, il n'arrive pas à passer, c'est évident. Ouais, ouais. Hein. Surtout quand on est en pleine charge et dans les côtes, c'est logique. C'est comme la coupe en haut de la piscine. Quand t'étais encrassé, il y avait quasiment plus rien qui venait. Bah c'est ça, hein. C'est... Bah voilà, ça fait pareil mais que le gasoil. Très bonne remarque, Théo. T'as vu, Lucas? Très bonne remarque. T'as vu, il était sale, hein? Ouais. Et là, j'ai une fuite. Ah. Ah oui. Fuite de gasoil. T'as vu? Ah là, oui, ouais, je vois. Enfin, je change ça. Attends, je tombe. Oh yeah! Oh yeah! Faire une bonne cuisine, privilégier les produits frais et de saison, s'exclame Monsieur Bonpoivre. Regardez cette pomme, elle n'est peut-être pas parfaite, mais elle parle. Elle dit, je respire le soleil. Voilà, ça y est, c'est le jour du départ. Je fasse quoi? J'aide Charlotte à descendre. Lâche. Bah, pas d'un coup, mais lâche. Allez, arrête. Voilà. On dit au revoir à Zéphyr et Yo-Yo.
Parce que c'est pas facile à dire, Iowa. Iowa. J'arrive à dire. À bientôt les copains. Ouais, ciao. Et c'est nous les derniers qui sommes passés. Ouais. La prochaine fois, c'est vous. Ouais. Bah non. Voilà. Les gars, voilà. Camion fini. Hein ? La prochaine fois, c'est vous qui passez. Voilà. Allez, en route. On va voir si le camion roule bien du coup maintenant avec le filtre à gasoil changé. J'espère que qu'il va pas trop nous coller au siège pour pas me briser la nuque avec la puissance. Normalement, ça devrait le faire. Allez, en route, et on va essayer de choper un Kuniaman sur la route. Et des moules. Des moules. Ça fonctionne pas mal du tout, regardez. Attention, attention, Charlotte, gaine ouais, bien ton vas-y, bras. Vas-y, vas-y. Oh, putain, la puissance. Attends, attends, je le refais, vas-y, attention. Vas-y, vas-y. Des moules. Donc, passe le truc à coup vite, là, parce que j'ai eu sens dans la course. Vite avant l'intersection. La vache! What the f***! Ouais, franchement, oh là là, la puissance. Regardez, j'en ai perdu mes chevaux, dis donc! Et on arrive à trouver nos pannes quand on roule. Hein? On arrive, on sait ce que c'est. Non, sérieux, c'est génial ça. Un truc de malade. Ah bah oui, laisse tomber. T'as pas vu comment ça colle au siège? Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Chouchou! Ouais, oui, oui. Alors, tu filmes en plus? Possible, hein? Allez, en route! Allez, c'est parti! Encore une fois pour le plaisir! On s'est arrêté pour poster un colis et là on s'en va où chouchou? On va, je sais plus la ville, Plouden-et-Neve. Non, c'est pas c'est, enfin bref, c'est un cimetière de navires. Voilà, un cimetière de navires, donc ça va être, on pense que ça va être assez chouette. Pas très loin de Crozon. Donc bah là on se met en route tranquillou. On a 101 km. Bon bah voilà, 101 km, 1h24 en voiture, donc nous faut compter 3 heures. Voilà. C'est ça, en plus on va manger, donc comptez 4 heures. Donc on sera là-bas vers 20h ce soir, et là il est 11h. Et on cherche... Non. Non. Ah ouais, il est 11h15, ouais. Oh mince. Voilà. Et on cherche une boulangerie pour acheter un Kuniaman. Un Kuniaman. Tu penses à un coup, et c'est qu'ils font gna 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 gna. Et ouais, man. Kuniaman. Ok. Voilà. Donc voilà, bah, allez, on se met en route, allez, à tout à l'heure. Regarde ton colis, il part. Ah ouais, excellent. Regardez mon colis, il s'en va. Vous avez vu? C'est trop drôle. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Allez, des bisous. Ciao. Regardez mon colis, c'est là, c'est celui qui est en noir, là, ici, là. On part faire 2-3 courses. Et là, les petits, oh, on veut acheter des petites cochonneries aussi, chouette, mais pas trop. Hein. Et là, on les voit arriver par la fenêtre. Vas-y, ça arrive chouchou, là. Non, mais sérieux. Non mais attends, on avait dit des 2-3 beignets, pas bah, toutes ces cochonneries. 2-3 beignets, oui, et des friandises aussi. Bah c'est des friandises. Bah, vous avez intérêt de partager avec maman. Hein. Non. Ah non, on a pris que pour les enfants. Ça on a pris que pour les enfants. Tiens, il y a rien. Des affaires. Et papa, ton masque. Et ça, c'est après mon jeu. Hop. Voilà, donc les manteaux. On a pris des petits de bueno, j'ai pris des petits Papa, les nuits, c'est parti en tout seul. Papa, c'est avec leur argent de poche, vous avez bouffé de votre argent de poche dans ça, quoi. Ça, c'est pour Lucas et Julia. Papa, je t'ai pris un beignet aux fruits. Mais non, mais j'aime pas ça, moi, c'est trop gras. Vous avez cramé tout votre argent de poche là-dedans? Non, j'ai encore pris 15 euros. Elle en a eu pour 15 euros, j'en ai pris 15 euros. T'as cramé 15 euros. Et moi, c'est bon, j'ai encore 50 euros. J'ai à la plein de poches. Vous savez qu'on évite de manger normalement tout ce qui est cochonnerie, bah, les Kinder, tout ça, non, on fait pas ça normalement, on fait pas du tout. Hein. Regardez. Mais quand ils ont envie d'aller faire des courses avec leur argent et s'ils veulent acheter des cochonneries, bah, on leur interdit pas de manger des choses qu'ils ont envie, même si c'est des cochonneries. De toute façon, si on leur interdit maintenant, quand ils auront l'âge d'aller faire leurs courses tout seuls, ils vont se venger et puis ils vont acheter plein de cochonneries. Donc,
Bah ils font un peu ce qu'ils veulent, là, ils m'ont demandé, on peut acheter des trucs, on a vu des beignets. Ouais, bon, mais bon. C'était 2-3 allez-y, bricoles. Hein. Allez-y, c'est pas grave. Et il y a des choses plus graves dans la vie. Allez, nous reprend la route. Hein. Le ventre plein. Direction le cimetière des navires. Les ventres pleins de chocolat. Tu sais où ça va le chocolat? Dans les fesses. Ouais, ouais. Voilà, ça y est, on est arrivé au cimetière de bateaux. On voulait se garer plus loin en fait et faire la route en vélo, mais c'est vachement raide, vachement pentu. Et du coup, le GPS nous a amené là. Donc en fait, on descend puis on va voir les vieux bateaux qui sont en train de mourir dans le cimetière des bateaux. Like fire on the pan, if you wanna touch me, please use caution. Cold like 0 degrees, I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary guy, let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the, let out the, let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget my peace. Ah, voir les épaves de bateau, ça se mérite. On a voulu passer par un raccourci. Et souvent les raccourcis, ils mènent à rien. C'est assez raide. Du coup, Charlotte, elle est morte. Moi aussi, j'avoue. On porte les petits pour monter. Et ben en fait, on peut pas descendre voir les bateaux plus bas. Et nous, ce qu'on a fait, c'est en fait, c'était déjà très bien. Ouais. Et j'aurais dû prendre des vidéos d'en bas. Je pensais qu'il y avait un autre chemin. En fait, non, c'est mort. On pouvait pas descendre. Hein. J'ai l'impression que c'est on était prêts quand même. C'est dommage. On était super prêts, ouais. On était limite au bord des bateaux. Tant pis. Allez. Voilà, ça y est, nous sommes arrivés à la plage. Regardez. Nous sommes à la plage de Kervel en Bretagne. Donc comme je disais sur Insta, ça fait un petit peu belge, la plage de Kervel. Jérém qui est parti, j'ai rempli les arrosoirs d'eau des petits, sauf que bah, c'est... en fait ça monte vachement vite. J'aime pas l'eau, moi, j'aime pas l'eau, j'aime pas la plage. J'en ai un qui s'est vidé, chouchou. Ah mince. Hey, bah, t'as vu comment ça va vite? Faut que tu recommences. Elle est bonne, je me mets à poil, j'y vais dire. C'est bon, t'as les deux? Allez, c'est parti. On va les redonner ça. Ah, t'es beau comme ça. Ça y est, on a passé une petite nuit assez tranquille ici à la plage de Kervel. Et regardez, voilà, on est garé en face de la plage et encore on ouvre la fenêtre, on voit ça. Et on regarde là les gens qui sont en train de faire du surf. C'est trop beau. Voilà, on est venu à la plage. Ça fait froid. Il y a du vent. C'est la Bretagne quoi. Non, mais on n'a pas de chance parce que bah, il y a du beau temps, maintenant il fait que du mauvais temps. Voilà, on regarde, il y a une petite école de surf, et du coup, on est en train de regarder comment ils font, et on apprend aussi. Peut-être qu'un jour, on en fera. Il y a des bandits qui arrivent et qui sont venus nous dire bonjour. Voilà. On va essayer de se faire du skate sur la plage. Oh, c'était trop tentant, faut que je le fasse, faut que je le fasse. On va voir ce que ça donne à tout à l'heure. Thank you.
profité d'une bonne petite sieste en face de la mer. Les enfants ont été faire des petits châteaux de sable. On a fait du skate et tout. Vous avez vu, c'était bien sympa. Là, on s'en va en direction de je ne sais pas trop quoi. On va voir, on peut le dire maintenant, ouais, c'est des amis. On va voir des amis. Vous verrez ça tout à l'heure. Petite surprise. Et voilà, donc j'ai vu que j'avais une petite fuite de gasoil au niveau de mon réservoir. J'ai pu perdre 1 ou 2 litres. C'est resté sur la planche que j'ai mis en dessous le réservoir. Et du coup, j'ai tout épongé avec du papier. Et je pensais que c'était ma jauge. Et en fait, non, j'ai l'impression que c'est les tuyaux. Vous savez que j'avais raccordé avec les raccords Union. J'ai l'impression que ça vient de là. Donc bah, il va falloir que je fasse ça en rentrant chez ma mère ou alors là. Parce que ça, bah voilà, c'est embêtant d'avoir une fuite de gasoil alors qu'il y a tout qui fonctionne bien. Voilà. Allez. Surtout au prix du gasoil. Surtout au prix du gasoil, voilà, c'est ça. C'est pas tous les jours qu'il y a des bandits qui nous offrent du gasoil. Donc. Faut en prendre soin. Faut faire attention. Allez, à tout à l'heure. Oh là là, Charlotte et ses trucs. Elle vient me voir parce qu'en fait on s'arrêtait à un magasin, fallait qu'elle achète de la farine, enfin bref. Et voyez la petite voiture qui est là, la noire, là, ici, là. À côté du support de téléphone. Et elle passe à côté de la voiture, elle dit, elle vient me revoir. Elle dit, Jérémy, j'ai l'impression qu'il y a un monsieur, un petit papy, il est en train de... Il est sur son volant comme ça. Elle dit, ça fait trop peur et tout. Je dis, attends, t'es bête, toi, du coup. Moi, je regardais ma fuite de gasoil. Je dis, bah attends, on va aller voir. On s'approche de la voiture. Moi, je voulais voir, si je sais pas s'il respirait. Et en fait, il était en train de tomber sur son volant comme ça. À un moment donné, à sa gopette qui est tombée, il dit par terre, ça l'a réveillé. Du coup, il a fait, ah, puis nous, on était en train de le regarder. Du coup, ah, on est parti. On a dit, c'est bon, ça va, il est pas mort. Il était juste en train de dormir. Enfin, un petit coup de mou, quoi. Voilà, ça arrive à tout le monde. Mais au moins, on a regardé et on a vu qu'il était pas mort. C'est le principal. Pff, on la refera pas, hein, Charlotte. Ah là là, ma petite Charlotte. Ça va, petit Miloute? Ça roule? Coucou! Hey, vous êtes bien là? Bien là? Voilà chez qui on arrive. On vient voir un petit copain, Martin. Un grand copain. On vient voir Captain. Et ça promet d'envoyer du lourd dans la prochaine vidéo. Parce qu'on normalement on visite l'archipel des Glénans en bateau à 225 chevaux qu'on a loué, un semi-rigide, donc ça devrait être pas mal, voilà. On va finir la vidéo parce que sinon bah, elle va encore durer 3 heures. C'est ça. Hein? Et aussi tu voulais dire Chouchou qu'on avait reçu la carte grise, tout oui, ça. Oui, enfin, parce que vous savez qu'on a changé le VASP, donc on était en VASP atelier, on est passé en VASP autocaravane. On avait changé la carte grise à notre nom aussi. Oui, voilà. La carte grise était déjà notre nom. Le 2 jours après qu'on ait acheté Martin, mais il fallait changer le VASP. Et du coup, bah là, cet après-midi, ça y est, on a eu confirmation de l'ANTS et on a payé, pour ceux que ça intéresse, on a payé à peine 55 euros. Je crois que c'est à peu près le prix du cheval de votre région. Donc, 55. C'est un cheval qu'on paye? Ouais, environ. Si on paye le changement de carte grise. Voilà, si c'est ça. La fille, elle m'avait dit, ça correspond à peu près à un cheval. Ouais, ouais. Donc, on a payé 54,76 €, un truc comme ça. Donc là, c'est bon. Donc, on a payé. On va recevoir. Alors, je ne sais pas si on reçoit la nouvelle carte grise ou si un petit bandeau de changement. Je ne sais pas du tout. À ce prix-là, j'espère qu'ils vont nous en envoyer une neuve. Ouais. Donc, je ne sais pas. Attends. Donc, enfin, bref. On paye, là, c'est pas pour avoir un bout de papier. Donc là, c'est bon. On est bien en VSP autocaravane. Enfin. Ça y est. On peut revendre Martin. On peut revendre Martin. Non, je crois pas, non. Allez, on vous fait plein de gros bisous. On vous dit à vendredi pour la prochaine vidéo. Elle va être bien, cette vidéo. Je pense. S'il n'y a pas de tempête, s'il y a ciel bleu, ouais, s'il y a en espérant qu'il fasse beau. Voilà. On vous fait plein de gros bisous et à vendredi. À tous. Ciao, bye bye. Vous dites au revoir, les enfants. Bisous, bisous. Au revoir. Prenez soin de vous, les bandits. Prenez soin de vous, mettez des pouces bleus, abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous, activez la cloche, pouce bleu, tout ça. Tout le train-train d'habitude. Allez, des gros bisous, à bientôt. Ciao, bye bye. Ciao.